Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, coloriage. J'ai commencé un nouveau coloriage de Clara Markova. Donc du livre Fairy Celebration. Voilà, donc ce sera mon deuxième coloriage dans ce livre. Donc pour l'instant, je vais à la suite des livres, des photos. Ça y est, je commence. Des illustrations. Donc, c'est le deuxième du livre. Et là, celui que je suis en train de faire, donc, c'est celui de la couverture. Voilà. Donc, je n'ai pas fait les couleurs de la couverture. Non, j'ai pas voulu faire du copier-coller. Hein, ça ne servait à rien. J'ai fait à ma manière, à mon goût. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Parce que bon, si je faisais exactement les mêmes couleurs que sur la couverture, bon, ça n'avait pas grand intérêt. Ça aurait fait du copier-coller et bon, ça m'aurait pas plu. Malgré que la couleur sur la couverture, j'aime beaucoup, hein. Mais bon, j'ai préféré faire à ma manière. Alors, dans cette première partie, parce qu'il va y avoir plusieurs parties, parce que déjà la première a été très longue. Alors, elle n'est pas longue en vidéo. Elle a été longue pour moi à faire, cette première partie. Parce que j'ai commencé à faire... Alors, dedans, il y a plein de petits ronds, des petits ronds minuscules, mais alors vraiment minuscules. Donc que j'ai colorié, mais que j'ai colorié avec mon encre or, le Winson and quelque chose. Je vous remets la photo là. Je vais vous la mettre à droite ou à gauche. Je vais voir. Vous savez, c'est celle que j'avais fait tomber sur mon pantalon. Donc. Donc, ça m'a permis du coup de l'utiliser, de voir ce que ça donnait. Ça donne bien, hein, voilà. Donc, je l'ai fait avec un pinceau très, très fin. Bah, de toute façon, vu la grandeur des ronds, je pouvais pas faire autrement. Je n'ai pas de plume. D'ailleurs, tiens, ça me fait penser que je vais peut-être acheter une plume. Vous savez, les plumes, comme on écrivait dans le temps, vraiment dans le temps. Hein. Même moi à l'école, hein, j'ai pas eu ça. Hein. Mais je sais que ça se voit encore. Je vais peut-être acheter une plume comme ça pour faire les choses vraiment très, très, très fines. Parce que même un pinceau très, très fin ne peut pas faire des choses extrêmement fines. Donc, je vais me commander une plume. Je vous montrerai. Donc, j'ai rempli tous mes petits ronds patiemment, un par un. Et il y en avait. Je ne les ai pas comptés. Hein. Parce que là, j'aurais été démoralisée, je pense. J'ai fait tous les cœurs de fleurs. Et donc, dans le toit de la... Alors, ça ressemble à une ruche, hein, je ne sais pas. Mais sur le toit, il y a plein, plein, plein de petits ronds. des dizaines de petits ronds. Et aussi un peu dans le dessin, en dehors des fleurs et du toit, il y en a encore. Et donc, je les ai tous faits. Un par un. Alors, je pense que quand vous allez regarder cette vidéo, vous allez dire, ça va vous faire penser peut-être à du diamond painting, parce que des petits points. Alors, il y a dans celle-là de vidéo, il y a surtout ça. Et le démarrage des feuilles. Voilà. J'ai mis la première couche. La première couleur sur les feuilles. Voilà. J'ai dit, je vais faire des cauchemars avec ces petits ronds dorés. Ah, heureusement. Bon, après, quand j'ai continué mon coloriage, j'ai vu que j'en avais raté un ou deux. Donc, je les ai refaits. Enfin, pas raté, oublié. J'en avais oublié un ou deux. Mais voilà, ça donne bien. Alors, je ne sais pas si sur la vidéo, on le voit vraiment bien.
Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on le voit, mais après, bon, c'est vrai qu'on le voit bien quand on l'a en vrai sur soi, devant soi, mais ça fait ça fait de l'effet. Donc voilà. Donc cette première partie, ça va être ça. Ce que j'ai oublié de faire dans cette première partie, c'est de faire, parce que là, au moment où je vous parle, j'ai déjà filmé la deuxième et la troisième partie. Oui, je suis très en retard dans le montage de mes vidéos. Oui. Je suis très, 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 très en retard dans le montage de mes vidéos. Je sais. J'ai oublié de vous mettre une photo à la fin. Bon, pas grave, hein. Vous n'allez pas me punir, hein, pour ça, non? J'ai oublié, hein. Bon, la vidéo est pas très longue, elle fait quoi, 3 quarts d'heure, je crois, par rapport aux autres vidéos de coloriage. C'est quand même un peu moins long. Et donc vous aurez, alors déjà là, vous allez avoir après une deuxième partie. J'ai pas, il faut que je monte hein, la vidéo. Une troisième partie. Et il y aura une quatrième partie, mais là que je n'ai pas encore filmé, parce que là, bon, faut pas pousser mémé, hein, j'ai pas tout fait hein, encore. Voilà. Mais il y aura 4 parties sur ce coloriage. Voilà. Mais j'aime bien. Il y a des, ici, sur la quatrième partie, j'ai un peu cherché les couleurs que je voulais mettre. Mais ça a été. Donc, je vais vous laisser. Je vais arrêter mon blabla. Je vais vous laisser regarder maintenant cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, ça se passe dans les commentaires en dessous. Si vous avez des questions, pareil, ça se passe en commentaire sous la vidéo. Je vous mets, comme d'habitude, dans la barre d'infos, le lien, les liens des produits que j'ai utilisés. Donc, les crayons que j'ai utilisés, le livre et l'encre or que j'ai utilisée. Voilà. Bon, le pinceau, je ne vais pas vous le mettre parce que j'ai utilisé un pinceau Action. Voilà. Ça, les pinceaux, on en trouve partout, hein. Mais là, il faut prendre un pinceau très très fin. Voilà, c'est ce qu'il faut. Et cette encre or, il faut surtout bien la secouer, pas sur le pantalon, comme moi. Il faut surtout bien la secouer. Et vous verrez que pendant que je fais ça, je rebouche de temps en temps mon flacon et je resecoue. Parce que l'or rebaisse. Et donc, de temps en temps, il faut le resecouer. Pour refaire le mélange. Mais bon, voilà. Je vais vous laisser regarder. Alors, j'attends vos questions, vos commentaires. Gentil, pas, non, pas gentil, j'en veux pas. Voilà, non. Allez, je vous laisse regarder. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.
Thank you.